Ils ne connaissaient pas l'appartement, ils n'étaient jamais descendus. Dès qu'ils ont éteint les lumières, ils ont entendu un couple avec un enfant parler dans, dans le salon salle à manger. Pour moi, il y a un esprit négatif. Voilà, donc mon petit-neveu m'a dit « Tati, je ne veux plus rentrer dans cette chambre, il doit y avoir un fantôme, c'est fini. » Et il n'y croit pas. Comme si quelqu'un se baladait donc, dans l'enceinte du salon et de la cuisine. Une main qui était posée sur la poignée de la porte de la chambre qui était ouverte. Donc dans la nuit dernière, j'étais donc en visio-cam avec ma copine qui m'a fait remarquer en fait des traces. Très très bien. C'est plutôt fort quoi. Mais tout se passe donc ici. Tout à fait. Donc avant de faire l'interview ici, on vous a présenté donc les lieux. C'est vrai que, enfin, pour moi, on va dire au point de vue ressenti, je trouve est-ce que c'est parce que c'est un couloir, mais je trouve que c'est lourd. Ouais. Très lourd. Après, couloir. Vous n'êtes pas rentré dans la chambre encore. Non, c'est vrai. C'est pire dans la chambre. Ouais. J'irai rien vous dire. Ok.